Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad TV depuis Bombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous invité à écouter magistrat Kabala, Ni Simon, commissaire gouvernement Kwade Boukea, Maître Maxime Augustin, avec magistrat Cité Soleil, Jean-Yslin Frédéric. Mais avant nous faire ça, l'équipe Bombad TV a voulu remercier tout le monde qui toujours branché Bombad TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, c'est Bombad de Police, équipe Bombad TV a nous apprécié ça. Et si c'est premier fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombad TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad TV. Nous pas perdre de temps, mais avant de démarrer avec information, nous voulons remercier tout abonné nous et sous pourquoi abonner, nous mandons embarquer. Eh bien, en ouais. Magistrat Kabala, Ni Simon, qui te gagne à clé, commissaire gouvernement Kwade Boukea, Maître Maxime Augustin, yo annonce yon ensemble mezi pour forcer population à respecter décision l'état central la prend pour permettre moun rete la kayo en partie 8h nan la soirée pour arriver 5h du matin. Responsable ça ou fait qu'on est ensemble mezi ça ou pral adopter nan intérêt population nan cadre prévention contre maladie ici en Haïti. Et nous voulons faire qu'on est tout mairie Cité Soleil là présenté lundi 6 avril là yon ensemble matériel sanitaire qui installé nan plusieurs coins nan commune ça pour aider population à protéger tête li contre maladie. Dans l'occasion ça, magistrat Cité Soleil là, Jean-Yslin Frédéric, profite parler sous divers mobiles cap circulé dans toute commune Cité Soleil là, dans l'idée pour continuer faire sensibilisation pour capable aider commune ça avec prévention maladie. Ces informations ça nous porter pour nous pas perdre du temps, n'a commencé collier. À présent, il y a un pile rassemblement qu'a fait tout côté. Je dis encore, on a regardé, nous, couvre-feu, pas respecté sur le territoire national. Nous-mêmes, comme autorité locale, moi-même, comme magistrat, nous mettons ensemble avec l'autorité de l'État pour être capable de respecter les mesures. Nous, à travers le marché, j'en ai dit, il faut que ces gens qui vendent des produits alimentaires, produits sanitaires seulement qui peuvent venir. Jusqu'à présent, nous avons marchand, toute l'autre qualité marchand a venu. Et ils sont tous sans masque. C'est parce qu'ils n'ont pas cru dans ce qui a passé. Mais à partir de hier, moi, le ministère de la Santé publique a sorti une note que y a des gens qui commencent à mourir de coronavirus. Le corona n'est pas un jouet. Même si on ne prend pas pour jouet dans notre pays, pour qui ça nous-mêmes nous prenons pour jouet, nous disons que c'est politique. Moi, je souhaitais que, effectivement, leur propagation a fait. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas. Moi-même, autant que possible, je toujours fait formation, m'a toujours fait prévention, c'est job moins en tant que conseillère pour me nous conseiller ça pour me dire que tout le monde cap monter cap prendre transport en commun yo mettez masque pour nous capable protéger tête nous protéger famille nous et rassemblement rara l'église yo faut ba ça respecter yo dit que pour pas gain rassemblement côté gain plus que 10 monde réunis mais moi yo toujours fait. Nous même dans l'aspiration que nous faisons chaque soir, c'est le monde qui empêche nous faire l'aspiration là, ou tellement là, on charge le monde après 8 heures. Et bien nous là, je dis comme autorité, pour nous capables de prendre des mesures drastiques pour ça capable de finir au niveau de tabac. En ce qui a trait avec question couvre-feu, nous dit que 8 heures couvre-feu, et ou imaginons que Mérien vient déactiver que le besoin fait. C'est-à-dire que pour lui asperger à partir de 8 heures, nous imposons le fait travailler ça. Et bien nous dit que dorénavant, moi-même que n'a parlé là, dès ce soir, nous voulons que dans la commune, ça, à partir de 8 heures, nous ne pas jouer monde dans la rue. Automatiquement que nous jouions monde dans la rue, à circuler dans la rue, après 8 heures, eh bien, la police gagne, lui joigne et exhortation, eh bien, pour lui procéder avec arrestation de ça. Et automatiquement que au final arrêté un monde, je vous garantis, il a arrêté où, ou pas libérer comme ça. Et ceci, vous gagnez une amende que vous avez payé. Et amende ça, vous avez payé, ce n'est pas ni dans le monde payé, mais c'est dans le DGI ou pour aller et puis vous avez payé amende. Je prends le soin, je ne peux pas dire combien d'amende vous avez payé, parce que le facultatif par rapport avec des livres que vous avez commis là, c'est lorsque vous faites une procédure d'arrestation où, maintenant, le commissaire ou bien le juge il va déterminer qui amende que vous avez payé. Parce que si c'est dans la boîte de nuit, c'est au deuxième point que je vais sur lui pour me dire où, si le non-respect de couvre-feu, donc à maintenant il varie. Nous venons pour boîte de nuit, les boîtes de nuit. Nous avons toutes boîtes de nuit, n'est-ce pas vrai, discothèque, ils fonctionnent normalement.
À partir de 8 heures, ils continuent, ils ont fonctionné. Et bien, nous dit que, à partir de 8 heures, nous retrouvons une boîte de nuit, une discothèque qui a fonctionné, qui a mis la musique, qui a fonctionné, et bien, il a rentré, il a fermé, il a saisi, il a procédé avec arrestation. Coronavirus, là. Donc effectivement, nous-mêmes dans la commune Cité Soleil, nous avons pris du temps pour nous décommencer par rapport à la situation économique par nous qui est vraiment faible. Donc je dis là, nous avons une possibilité pour nous gagner 4 gros châteaux d'eau à 200 gallons et nous gagnons une cinquantaine de drones. Nous faisons acquisition de 5 gallons, beaucoup de 5 gallons pour qu'on arrive parce que pas gagner en pile. Et compagnie ici qui fait beaucoup de choses, c'est Haïti Plastique parce que c'est placé pour passer commande là. Donc nous faisons acquisition beaucoup de choses pour qu'on revienne. Mais jeudi, nous avons fait appel avec la presse pour nous expliquer. Jeudi, nous avons cité Soleil à débarrer avec question et sensibilisation. Nous avons déjà gagné 4 sound trucks déjà dans la rue qui a fait sensibilisation avec un spot que la mairie fait. Passer pour nous expliquer comment pour faire pour gérer peut-être la question ça. Donc je dis c'est dans l'optique ça nous avons la presse pour nous déballer sur la question et pandémie coronavirus. D'où ma château ça va aller directement à une population placer pour laver mains parce que nous connaissons laver mains c'est les mêmes qui prennent je dis parce que tout côté sorti, tout côté rentré, ou moins un pote, ou moins un téléphone on a utilisé, ou besoin de laver mains. Donc nous avons placé d'où nous avons placé château en côté qui vient plus mon yo. C'est vrai que nous ne pouvons pas placer tout côté dans la communauté soleil parce que nous connaissons plusieurs situations à la cité soleil, nous avons en pile et chaque petit quartier est supposé dire à 22, à 23, nous avons besoin de ça, mais malheureusement nous ne pouvons pas pour tout, mais nous avons placé dans des points stratégiques de façon à ce que côté pile nous qu'on y a depuis à passer pour nous laver, mais nous mettons chlore là pour nous mettons savon là pour nous et pour nous laver. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.